Je suis François Bonnet, je travaille dans une société qui s'appelle W4 et j'y fais du marketing produit. Alors aujourd'hui, W4 est une société qui fait une brique logicielle, qui est un logiciel outil qui s'appelle Business First, qui permet de construire des applications métiers sur mesure. Et dans ce contexte-là, ces applications sont disponibles, sorties de la boîte une fois qu'on l'a paramétrée sur le web et maintenant sur mobile. C'est-à-dire que sans effort supplémentaire, on a une version mobile de l'application. On s'adresse à un marché de l'entreprise et non pas le marché du particulier. Et il y a un énorme besoin au niveau des terminaux mobiles de fournir des accès sur des applications d'entreprise. Et c'est vraiment le sujet et ça permet, la solution Business First de W4 permet de fournir en même temps l'application qui va être utilisée par l'ensemble des membres de l'entreprise. En complément, des personnes en situation de mobilité pourront accéder à ces mêmes applications, même si elles se trouvent à l'extérieur des murs de l'entreprise. La mobilité, aujourd'hui, on voit par la diversité des acteurs qui sont présents, ça touche beaucoup de domaines. Je pense que les choses vont se consolider dans le temps parce qu'on va y voir un petit peu plus clair sur qui fournit quoi et quels sont les niveaux de services qu'on peut attendre. Et donc ce salon a tout à fait sa place de par la diversité des acteurs qui sont extrêmement complémentaires finalement. Et on commencera à voir le marché se consolider quand on aura des solutions qui seront disponibles pour l'entreprise. Parce que je crois que la mobilité chez le particulier, c'est acquis. Dans le monde, dans l'entreprise, c'est un petit peu moins facile parce qu'il y a un petit peu plus de travail. Les systèmes d'information des entreprises ont mis beaucoup d'années à se mettre en place, on ne va pas les révolutionner du jour au lendemain. Il y a un taux d'acceptation et de faisabilité qu'il est nécessaire de respecter.